Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Le 2 décembre, nous recevons en correspondance de la DGI qui dit que un citoyen, un magistrat avocat, moi le magistrat avocat parce que un magistrat qui a marché chercher le secours avocat, ce n'est pas juge, qui écrit DGI, un juge d'instruction qui respecte la tête, il agit par ordonnance. Il écrit DGI, EDH, pour dire rapidement, voyez tout dossier. Yo gagne qui a un rapport avec plainte contre son génère. Si yo pas fait ça, la bine fait perquisition dans le bureau. Yo. Donc, définitivement, on juge d'instruction sur un dossier. Premier acte proposé, c'est plaignant. C'est l'État haïtien, dans le cadre de ça, vous t'attendez. Et quelques jours après, il y a des décisions qui prennent, qui permettent que des dirigeants de la sous-génère reprennent possession, bien que gagne. Sous décision, ça, moi-même personnellement, c'est une décision provisoire que la justice est prise en saisie, c'est pas en confiscation. Et la loi baille à la sous-génère possibilité pour que l'ité a devant doyen, pour te faire lever. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, non, c'est que depuis en décembre, 6 décembre 2019, tout juge dans la juridiction, dans le tribunal première instance, il a récusé. Il n'a pas eu attendre aucune affaire. A fait ça même que le juge là attendait. Alors, nous ne savons pas combien a fait l'attendait parce que dans l'être niveau de l'État, c'est de tout dossier le valide. Maintenant, juge ou bien, Ikenson et Djumbe, pas de droit, et comme tout le juge en bas, pas de droit pour aucune décision dans le dossier ça. Dans ce sens, nous voulons lancer un appel et faire un rappel à droit, il y a sûrement avec ça, et bien, pour lui, dit à Edumé pour le suspendre, poser acte dans le dossier, ça, et parce que acte à poser, c'est des actes personnels. Maintenant, en ce qui nous concerne comme avocat, nous écrivons à l'État haïtien en correspondance, nous demandons une rencontre pour capable déterminer la meilleure stratégie pour nous adopter dans ces circonstances. Jusqu'à présent, il n'y a pas fait de réponse. C'est ça qui fait me dire que je viens de parler d'un homme, je donne ma position sur le dossier. Et donc, estimer que pour citoyen Ariel Henry, pour un ministre en exercice, ça, ce n'est pas une priorité. Et pour le monde qui a dirigé Kouniao, le dossier, ce n'est pas une priorité. Et en attendant que moi-même, personnellement, je prends une décision pour me dire, est-ce que je dans le dossier, ça, toujours, parce que je ne parle pas de concert avec le confrère, mais je voulais expliquer à la population qui, bon, le dossier, ça y est, pour le moment. Avec arrestation Palacios le 4 janvier qui se passe. Et là, le dossier apprend en l'autre dimension. Parce que pour avoir interaction entre la justice haïtienne et la justice américaine, pour avoir interaction entre le droit pénal haïtien et le droit pénal américain. Et avant de dire quoi que ce soit, moi, je voulais féliciter, encourager tout le monde qui, même j'avais nous, a agi pour que la vérité faite. Non, c'est ça. Nous avons ça passé. En ce sens, moi que Maître Level François, voyez, ils font action par la justice américaine contre la Colombie et les États-Unis sous responsabilité que tu as gagné un assassinat, nous-mêmes relèl, et pour nous, qui sont capables de mettre action par nous en commun, comme citoyens. Deuxièmement, nous voulons saluer un ensemble d'activités et les positions continues que ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph prend dans le dossier ça et nous pensons qu'il faut gagner en volonté citoyenne. Non, ce n'est pas parce que c'est Jovenel Moïse, mais c'est pour nous-mêmes. Assassinat ça, c'est une atteinte grave à notre souveraineté. C'est même un acte de guerre et au nom de notre souveraineté, au nom de notre dignité en tant que peuple, nous devons qu'on au moins ça qui est passé. Et c'est peut-être ça, nous voulons dénoncer. D'abord, commercialisation de ces armes. Nous apprenons à travers le rapport RNDDH que
Le cabinet, juge Garéolien, que nous connaissons très bien, bon greffier qui fait sol avec sabotage dans le dossier. Et comme si les gens invitations, les gens mandats contre le monde, c'est passé derrière. Moi, je lis dans le rapport à NDDH que ça fait en complicité avec le juge là. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça qui écrit dans le rapport là. Et je pense que d'abord, son honte au pays, un dossier aussi important, qui a traité dans l'autre pays, et pour les bon greffier, qui a marché, demandé mon machine, qui a marché, demandé mon l'argent, fini avec papier, dit que Yabareto a fait pression sur le monde, juge d'instruction à vous prononcer sur ça, prend des mesures pour ça. Et CSPJ lui-même tout, doit prendre des mesures pour corriger ça, pour sanctionner le monde qui doit sanctionner. Deuxième bagarre là, on a dénoncé, c'est l'instrumentalisation de ça. Il y a des gens qui pensent que avec le cadavre, ça, il y a un pouvoir, mais il y a un empêcher le monde de prendre pouvoir. Donc, il y a un cadavre là sur n'importe qui monde. Tout à l'heure, on parle de vous résumer. Donc, et je pense que l'importance de ce que ça pour la justice pays, compte tenu de la dimension de ce que ça et il faut que l'acteur politique agit avec plus de sérénité. L'autre bagaille qu'on a dénoncé, c'est la diversion manipulation. Et nous sommes capables, dans la lettre que nous avons adressée à New York Times, nous avons parlé de sable américain, de diversion, oui, tactique ou stratégie, ou bien diversion tactics. C'est des stratégies qui, selon nous-mêmes, visaient cacher la vérité dans le dossier pour qu'on qui est-ce qui est auteur. On prend un premier exemple. Le 21, ou déjà le 14 juillet, une semaine après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a une notice à Scaracol qui dit « The prime suspect, premier monde qui suspecte dans le dossier ça, c'est Tava et Claude Joseph. » Il même dit que c'est FBI avec la police nationale qui fait ou ben, information ça. Après ça, nous battons de encore. Et nous te comprenons que c'est pour défendre l'intérêt de la Colombie parce qu'il y a un paquet de Colombiens qui est impliqué dans ça. Mais diversion ça, il prend tout ampleur avec deux articles que New York Times a écrit. Youn le 21 août et l'autre là le 12 décembre. Maintenant, ce qui passait dans l'article ça, il a rejeté totalement la piste principale de l'enquête que FBI joigne, que Police nationale joigne, que RNDDH, dans le cadre rapport qu'il a joigne, c'est un complot qui commençait Floride, aux États-Unis, côté que il y a une institution que les CTO, qui gagne notre tête, Antonio Entliago, ensemble avec Arcangel Paletel Ortiz, yo mette ensemble avec un citoyen qui est le Walter Benti Mia, qui a marché chercher l'argent, eh bien, pour que CTO a recruté des mercenaires, des criminels colombiens, pour qu'ils viennent dans le premier temps, viennent kidnapper Jovenel Moïse et retirer le sous-pouvoir. Première tentative là, qui t'a pas le fait quelques jours avant 7 juillet, elle pas fait parce qu'elle n'est pas capable de donner un avion. Il te dit, bon, connaît que il a mouru pour contrat gaz, mon l'agent américain, il a mouru pour contrat courant, mais elle n'a pas peur. Ça veut dire que, il y a un paquet de pistes qui est possible, mon qui a un contrat courant que je venais pendant présidentielle été coupé, il n'a pas bien intérêt. Je ne pas dit que c'est eux-mêmes qui ont mis ces premiers suspects. Et par exemple, mais rapport RNDDH là, il dit que ma chef de police, Léon Charles, et rapport a révélé que monsieur parlait plusieurs fois avec Badjo. Bon, mais il dit qu'il ne parle pas avec Badjo. Bon, si elle est dans la liste appel, ou bien il fait enquête à travers le judiciaire du SEVRI. C'est-à-dire que M. Léon Charles vient tout le long gros suspect. Il va continuer à faire ça. Donc, gagner un paquet de monde qui t'a gagné intérêt pour jouer le monde. Moi, je suis fini pour me dire que je ne pas comprendre ce que c'est ça. Je ne pas comprendre le comportement du gouvernement haïtien. Comment? Tout citoyen en pays qui est dans notre pays qui est en danger mérite protection diplomatique pays.
Quel que soit citoyen qui a un dossier devant la justice aux États-Unis, n'importe quel pays, le consulat, c'est le club de droit, supposé, et bah, l'assistance, à moins qu'elle prenne information comme ça. Un dossier comme ça, qui devant un juge en Haïti, qui devant tout un tribunal, comme ça, partant de qui est-ce que le gouvernement haïtien délégué pour défendre les intérêts de l'État haïtien. Parce que comme nous l'avons dit au début, cet assassinat est une attaque sans pareil contre notre dignité du peuple, contre notre souveraineté. Je ne connais pas si c'est par ignorance, je ne connais pas si c'est un acte de complicité tout, de la part de mon cap dirigeant, mais nous aurions dû sentir les efforts du gouvernement en ce qui a trait à au moins volonté pour connaître ce qui a passé dans le tribunal floridien au niveau du Sénat. Et moi-même, je comprends comme ça. Dans ça, nous sommes là parce que nous n'avons jamais de volonté pour respecter la Constitution. Un bon exemple, la Constitution 87 là, pas de jamais prévoir deux, trois conseils électoraux provisoires. Il était pour un seul conseil électoral provisoire, pas de jamais débat des conseils provisoires, conseil électoral provisoire là encore. La Constitution était prévoir que faut qu'il y ait élection chaque deux ans. Donc, ça veut dire que le Sénat, une seule fois que tu as gagné élection avec, pour faire élection pour trois tiers, un seul coup. Donc, comme nous ne pouvons pas faire ça, nous disons que nous avons même dit tout le monde qui est élu depuis après la première élection, ça, c'est des gens qui sont mal élus. Si nous avons fait un raisonnement juridique vraiment rigoureux. Maintenant, nous venons à Carrefour, ça a révélé une situation d'exception. Pas de monde là qui a une autorité que la loi constitutionnelle. Nous avons un état de fait. Nous avons un état de fait, côté que même les gens disent le sénateur est bon titre lié. C'est bon titre. Titre là, il marche avec des actions, avec des missions. Qui mission aujourd'hui à la 10 sénateurs ça? Qui s'est fait comme travail? Et nous qui devons même élargir pour nous diriger, pour nous dire, nous-mêmes comme citoyens, nous avons combien de temps nous avons fait, la même temps, mais qu'on est-ce que les citoyens qui habitent Carrefour, qui travaillent, ou pour le cas de travail, qui nous ont en paix, c'est ça, citoyens, ont besoin. Et il y a une chose qui est plus frappant, c'est des jeunes qui, entre 20 et 40 ans, qui, dans un moment qui est plus fort dans la vie, pour capable de produire, ils sont en plein désespoir dans le pays. Mais qui est-ce qui a adressé? Est-ce que ce mandat n'a pas en bas à adresser les problèmes? Même nous dit que leur situation comme ça, c'est deux bagailles qui fait. Ou bien rapport de force, ça devient plus force là. Comme Ariel Henry, appareil éternel, il y a blanc, il y a société, etc. Il passe, j'aime toujours elle. Ou bien gagner le dialogue, gagner le consensus. Pas pour que ce mandat pour durer mandat, mais qui ça n'a fait véritablement avec le pays. Et nous autres, nous aurions souhaité que ces acteurs-là, imaginez, nous tenons 7 février pour aller au date encore. Mais date pour faire qui ça? Est-ce que ces débats, est-ce que ces combats vont changer? Je ne vous dis pas, Sénat républicain affirmé et par voie présidente, à haute et intelligible voix, que sénateur qui l'a eu, c'est 10 sénateurs qui pas des sénateurs bakoulou, c'est pas des sénateurs qui entrent ici à la contrebande, c'est sénateurs à part entière qui entrent deuxième lundi janvier 2017 après que l'autre sénateur qui était là déjà valider pouvoir yo, et dans le procès verbal là, yo mentionné clair que sénateur sa yo, yo entré dans le mois janvier, ou bien entré dans le mois février, ou bien entré dans le mois mars, ou bien avril, ou bien mai, tant qu'ulté pour sénateur Sidon, pour sénateur Kedler, pour sénateur Patrice Dumont, Feitière, etc. Eh bien, on te dit, quand on entre en mai 2017, en avril 2017, mandat a fini dans le deuxième lundi janvier 2023. Eh bien, nous te voulons une fois pour toutes, pour nous fixer question ça, et pour nous dire, mandat ça
pas fait question marchandage avec qui que ce soit. Haïtiens, haïtiennes, yo gardé un mauvais souvenir de l'année 2021 ça. Ou année 2021 qui te gagne en pile difficulté. Pays nous en connaît en pile épreuve. Et en pile problème dans le pays, a qu'on mène des fois en gros manifestations. Manifestations qui le plus souvent qu'on violent. Collègues sénateurs, fonctionnaires, parlement, peuple haïtien, captendez-nous là. La déraison qui règne aujourd'hui dans ce pays a tout dérangé. Des voix se réclament de la mouvance démocratique, ne se sont pas embarrassées de proposer tout ce qui est contraire aux normes et elle encourage la révocation du mandat des élus. Cette démarche qui semble ignorer toute mesure porte un projet qui consiste à renverser les institutions qui constituent jusqu'ici les principaux acquis de ce régime démocratique que nous peinons à consolider. C'est ainsi que depuis trois longues années, un banditisme calculé qui paraît progresser dans la zone métropolitaine et qui allait juste dans la province. Si Matissan suffit lui-même pour compter, pour paralyser quatre départements, avec un bord dans l'ouest là, nous devons reconnaître que Gagno a opéré dans tout le pays. Et les conséquences sont dévastatrices sur l'économie nationale qui est déjà maigre. Toutefois, si vous ne jouez pas le monde qui a ramassé le cadavre, si cochon pas enterré en aventure, avec chien, eh bien, son famille, qu'après ni mon notre bon, qu'après ni mon baba ici, et qui des fois, après les dans la radio, pour venir faire la collecte pour lui, pour voir s'il était capable une rançon que ravisseur réclamait. Causer ça triste. Les autorités de l'État ont le devoir d'assumer l'héritage d'une mauvaise gestion selon le grand principe de la continuité qui n'admet pas de séparation entre l'actif et le passif. Certaines revendications vont certainement revenir. Très certainement. Nous parlons d'une certaine Haïti dont les souvenirs mettent à mal les nostalgies encore incapables d'admettre que notre pays n'est pas seulement constitué de villes, de bidonvilles, mais pays nous en tout, il y a une section communale, il y a un quartier, il y a une habitation, etc. Nous comprenons fort mal, je voulais vous dire, comment faire que priorité à sécurité n'est pas capable d'accorder à l'exécutif qui est en place là. C'est comme quoi tout bagaille allait bien. Au point où élection capable d'annoncer sans tracas. Comme quoi, candidat qui a fait campagne,
monde capable de voter n'importe qui côté dans n'importe qui coin dans territoire. N'a dit il faut. C'est comme quoi aujourd'hui hein, exécutif là pas jamais moins nécessité ni comprendre que il y a un ensemble de bagages qui pour faire dans section communale ou bien dans le pays. Des projets étaient initiés par le président Jovenel. C'est comme quoi, depuis Jovenel, fin de mourir, le projet ça a tout mourir, tout avec Jovenel. Ou Jérémy, Iwa, Abricot, Dame Marie. Comme quoi, le président Jovenel mourit, route ça a tout, c'est fini. Kafou Joff, pas de paix. Je ne sais pas que je m'entendais parler de ça. Je ne sais pas que bon mettre asphalte qui est encore metté sur route là, un kilomètre à niveau encore fait sur route là. Électricité en dans pays. Là, Kafou, c'est une grosse centrale électrique. C'est comme quoi, tout bagaille à l'arrêt. Projet Marion. Route sous Bénin pour aller côte de fer. Ou bien pour sortir dans la tête, ça va nous zombie pour aller tuer dans sa petite balance. C'est comme quoi côté ça ne va pas exister. Ce n'est pas normal. C'est ça que fait Junet Jodian. Nous dit, il faut que nous payions l'autre gens. Nous attendons nous trop pour nous goûter comme quoi pour nous aller drap couvrir pieds nous. Comme quoi, drap ça qui finit déchiqueté, drap ça qui finit abîmé, comme quoi, bien drap toujours ou bien rete drap toujours qui pour couvrir pieds nous. Le traumatisme de l'esclavage que nous traînons jusqu'à ces instants avec son cortège de préjugés nous empêche de nous constituer pour construire notre pays et souvent nous cédons au manque d'imagination. Parmi nous, il y a certains qui font beaucoup trop dans ce qu'ils ne doivent pas faire et d'autres qui font beaucoup moins que ce qu'ils auraient dû faire. Le résultat est bien clair. Sous nos yeux, sous nos pas. Notre pays est en train de se défaire. Il faut bien le dire, notre pays, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la pauvreté et la misère, c'est l'opulence et la corruption aussi, c'est l'impunité, certainement. Ce sont tous ces mots trop connus que nous sommes obligés de rappeler d'une année à l'autre et de déplorer. Nous avons donc le devoir impérieux d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, le poète ou l'homme politique, comme on voudra. Une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2022 soit décrétée année du grand dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale en passant par les états généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'elle ne peut plus faire l'économie de cette rencontre. Il nous faut l'autorité d'un pouvoir de convocation capable d'obtenir la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons des pôles importants politiques, social, pôle économique, société civile et autres, etc., qui existent.
nous devons citer Montana, nous devons citer Penn, nous devons citer l'autre initiative, tant que c'est SOC, tant que à Colari, tout comme le 11 septembre avec Ariel. Peut-être qui ça, je ne vous dis pas capable de gagner une formule consensuelle, largement large, qui pour permettre que je ne vous dis n'a pas parlé de fin mandat sénateur dans la rue, c'est comme quoi on radio ouvert l'ennemi et puis peuple a dit qu'il le mandat fini, qu'il le mandat pas fini. Comme quoi, quand on radio aux États-Unis, tu as ouvert l'ennemi là ou bien en France, tu as dit qu'il le mandat Macron a fini ou bien qu'il le mandat Joe Biden a fini. C'est pour montrer nous dans la situation de dégradation que nous jouons aujourd'hui dans le pays noir, parce que aujourd'hui tout est à refaire. Moi dis merci à toutes les responsables. Premièrement, merci avec le ministre Nesmi Maniga. Nous sommes contents parce que nous là matin. Nous avons trois années depuis nous pas réunis dans l'espace là. Nous passons en pile et péripéties. Mais bon Dieu fait matin nous là matin. C'est grâce avec Nesmi Maniga et DG nous directeur Vladimir. Et nous comptons en pile. Nous disons merci pour responsable bio parce qu'il était toujours là pour supporter nous. Dirigeants sont toujours là pour encourager nous. Si tout le monde est dans l'île, c'est aussi. Les pays, ils sont toujours là pour encourager nous. Nous sommes toujours à l'école, fait toutes les fois, même si à peine aller, nous sommes toujours vivants, nous toujours à l'école là. Nous passons en pile, quand nous sommes tirés, alors ça nous sommes allés et les dirigeants regardent où nous venons à l'école là. Et grand pays là qui sont très loin, qui fait des états en route d'avoir réussi à venir à l'école là. Et je remercie tous les lieux où nous sommes réunis parce que les premiers allés, nous sommes réunis dans toutes les écoles à trois côtés, dans le Canada, avec l'étudiant Isidore Boiron et l'étudiant lycée et Virginie Sampeur. Là, nous passons en péripéties, parfois les dignités nous conjoignent, nous allons à l'école à pied, nous tournons à pied et tout. Et je remercie tous les dirigeants et merci avec les journalistes qui l'ont matin. Merci avec Eddie Paul et tous les responsables qui l'ont matin. Mais dis-nous un grand merci. L'école, c'est celle bagaille capable de faire que je dis à l'âme, moi-même qui fait là, c'est l'âme fait dans Port-Touron. Zone qui est plus marginalisée dans tout environnement là. C'est celle, l'école, bon Dieu, et l'école qui va faire me camper devant toute autorité, ça y est. Matin, c'est un grand jour pour nous la salide. Nous commençons, nous avons le local là. Bakadil Flambant Neuf, mais si nous regardons le local là, nous avons toutes conditions réunies pour que l'enseignement apprentissage là fait bien dans de bonnes conditions. Ministre Gantan doté salle informatique là de Jean-Dierk Assoudi là de ordinateur. Il y a l'autre projet, il y a un projet tablette qui a venu. Ça, nous avons pour nous jouer une tablette ça yo, pour que Timounio, Jean-Ministre toujours dit, faut même là nous parlons salle de classe là, même là nous la caille nous pour que l'esprit nous occupe à pas prendre des bagailles qui utiles. M'a dit nous aujourd'hui à me content, tout le monde content, ministre content, communauté à content et n'a continué élève yo, on continue kembe l'école la propre, on continue meubler l'esprit nous, on continue le même comportement que nous avons gagné là nous t'es éparpillé dans l'autre lycée yo. Pas plus tard que vendredi me parler à un directeur côté nous teye, il dit c'est des petits monde qui des bon comportement qui exemplaire, nous t'es bien comporté nous côté nous teye. Malgré des discriminations que nous t'ai subi, mais image que lycée que nous teye yo gain de nous, c'est des petits monde qui des bien comporté, des élèves qui des bien comporté yo. Nous content ouais nous puisque péripétie nous t'ai commencé pendant que moi-même nous sommes directeur départemental. Les ça, font des jouer de côté pour mettre lycée. Et je ne sais pas si je dis, mais les chercher côté pour mettre lycée, il y a des gens qui ne sont pas contents pour nous mettre à côté. Mais je toujours dit, et je dis publiquement là, que ce soit pour le lycée La Saline, que nous là aujourd'hui. Et nous avons pris exemple le lycée Cité Soleil, qui est un pile monde aimé marginalisé. Moi-même qui a dit ça aujourd'hui, comme ex-directeur départemental,
c'est des lycées qui n'ont pas jamais de problème. C'est des lycées qui ont bon résultat dans l'examen. Et c'est des lycées qui ont discipline. Et c'est des lycées qui bien géré. Moi, félicite la direction pour ça. Et me félicite nous. Applaudis-nous pour ça tout. Femme, dis-nous, ministre, il y a un pile projet pour lycée. Yo. Et commencez par lycée La Saline. Directeur départemental a parlé de ça. Et on va recevoir une visite nous souvent là. Parce que, yon bagay nous va dire pendant tout là, nous voulons apprendre bien. Et résultat que nous avons de lycée, l'examen, 9e année, et baccalauréat, c'est 100% nous besoin. Est-ce que nous avons 100%? Est-ce que nous voulons faire 100%? Ah ben, attendez ça là nous disons bon retour, nous comptons avec nous et bon travail. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous était branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.